Alors, ce livre, il est parti de découvertes successives et surprenantes pour moi. C'est que j'ai lu les biographies de présidents américains et je me suis aperçue que pour la plupart, dans les premières années de leur vie, la relation à leur père avait été dramatique. Enfin, ils sont très souvent les fils de pères alcooliques, de pères violents, de pères morts. Et puis j'ai trouvé un livre anglais, écrit par une historienne anglaise, qui a regardé la biographie exhaustive des 24 premiers ministres britanniques qui se succèdent à Downing Street pendant 150 ans. Et sur ces 24 premiers ministres, 17 sont orphelins de père. Une statistique qui explose toutes les statistiques et qui n'a aucune raison historique pendant 150 ans. Et donc, partir de l'idée, est-ce que forcément la relation au père a été abîmée? Est-ce qu'elle a forcément été manquante? Est-ce qu'elle a forcément été incomplète pour qu'on ait envie d'aller en politique? Et il semble que ce soit très souvent le cas. Alors, les matériaux, il est divers et il a des temporalités différentes. Bon, d'abord, certains de ces hommes politiques, je les connais parce que je les pratique professionnellement depuis longtemps. Ensuite, j'ai lu les biographies qui ont été écrites sur eux. Et puis, j'ai fait deux choses dans un mouvement parallèle. Je leur ai demandé de me recevoir, ce qui n'a pas toujours été simple, parce que je leur demandais de me recevoir pour parler de ça, pour parler de leur père. Et en même temps qu'ils réfléchissaient à s'ils allaient et comment ils allaient me recevoir, je suis allée voir leur père quand il était vivant, leur mère, leurs frères, leurs sœurs, leurs compagnes, leurs ex-compagnes, pour certains profs de français, profs de maths, copains d'enfance. Enfin, j'ai essayé à chaque fois de réunir le plus de personnes possible parce que je me disais que cette relation entre le fils et le père, elle ne pouvait pas être que racontée par le fils et le père. Et il fallait aussi, pour arriver à quelque chose, non pas qu'il soit vrai, parce que rien n'est vrai, mais pour que quelque chose soit juste, et au plus près du juste, il fallait que je rassemble le plus d'observateurs, d'interlocuteurs, ce que j'ai fait. Et puis ceux qui sont dans ce livre ont pour la plupart accepté de me recevoir. Parfois c'est compliqué. Moi je crois qu'ils avaient plaisir à parler de leur père. Quand j'étais assise face à eux, on passait les 10 premières minutes, j'ai senti une détente physique. Souvent j'ai vu leurs épaules qui tombaient, je les ai vus être contents. Mais avant qu'on en arrive à l'entretien, avant que je sois là et qu'ils aient eu cette occasion, c'était compliqué pour des raisons diverses. D'abord parce qu'ils ont tous des agendas déments, et c'est bien normal, et parce qu'en plus c'était un sujet quand même hors cadre. C'est un sujet dont ils se rendaient bien compte qu'il allait échapper à une communication huilée, vissée, qu'on allait rentrer dans quelque chose de très intime, d'extrêmement personnel, de secret dans le sens où ils ne l'ont jamais dit. Donc je pense qu'ils ont réfléchi à ça et ils ont accepté. Ils m'ont fait ce que je considère quand même comme une grande confiance. Alors j'ai rencontré, enfin l'ordre importe peu, mais j'ai rencontré Manuel Valls, qui est le premier à me recevoir assez rapidement. Et je vois François Hollande, Nicolas Sarkozy, je vois son père. Marine Le Pen refuse de me recevoir et son père, une heure après, me dit que je peux venir. Je vois Marisol Touraine et son père, Jean-François Copé et son père, Arnaud Montebourg, que je n'en oublie aucun, Najat Vallaud-Belkacem, François Baroin, voilà. Ségolène Royal, je lui ai demandé, je l'ai appelé, je lui ai écrit, enfin, nous avons eu une correspondance pendant plusieurs mois. Elle n'a jamais ni accepté ni refusé de me recevoir. Je crois que pour elle, le sujet du père est un sujet éminemment complexe et surtout éminemment non réglé. Donc il lui était, je crois, impossible de fixer sa parole là-dessus. Donc elle ne m'a jamais dit ni oui ni non. Enfin, dans le livre, il y a 12 portraits aujourd'hui. J'espère que j'ai oublié aucun des 12, mais je crois que je les ai dit tous. Ce dont je m'aperçois, ce dont je ne me doute pas quand je commence cette enquête et quand je la finis, d'abord je suis moi-même stupéfaite, surprise, de l'importance gigantesque qu'a leur père dans leur vie et de combien la relation qu'ils ont eue à leur père est une grille de lecture pour les comprendre aujourd'hui. C'est-à-dire que je découvre que ces hommes et ces femmes dont je suis les décisions politiques, les choix, les forces, les faiblesses, les traits de caractère, je les suis comme tout le monde parce qu'ils sont sur la scène, combien tout ça se comprend mieux quand on le regarde à travers de la relation qu'ils ont nouée avec leur père. Alors, nos hommes politiques n'ont pas eu, ils ne sont pas des fils d'orphelins, des fils d'hommes qui les ont battus ou qui étaient violents. On n'a pas ce degré dramatique qui est celui que j'ai lu dans les biographies des présidents américains ou chez les premiers ministres britanniques. Mais disons que la relation à leur père, elle est constitutive d'eux, elle est fortement explicative d'eux. Et je me doutais pas à quel point ce serait le cas, c'est très fort. Il y a plusieurs psychanalystes qui m'ont répondu, enfin qui m'ont écrit récemment pour me dire que c'était un bon livre d'analyste. Alors c'est étonnant parce que je ne suis pas analyste et moi-même je n'ai pas fait d'analyse. Mais il y a une petite explication à ça, c'est que pour le journal, j'ai suivi pendant beaucoup d'années tout ce qui traitait de la psychologie, de la psychanalyse et des querelles autour de la psychanalyse, comportementaliste versus analyste. Donc ce sont des interlocuteurs que je connais bien, j'ai lu tous leurs livres. C'est une grille de lecture du monde qui m'est très familière et qui me passionne. Et donc je crois que cet intérêt que j'ai pour les questions de sommes-nous libres, sommes-nous déterminés, à quel point sommes-nous libres, à quel point sommes-nous déterminés, transmission, filiation, est-ce que j'accepte de l'héritage, qu'est-ce que j'en refuse, comment je me construis. C'est une question qui me passionne personnellement et qui me passionne professionnellement. C'est peut-être ça qu'on retrouve dans le livre.